Salut les pilotes, on se retrouve dans The Crew Motor Fest pour faire un nouveau summit. Mais comme d'habitude, dans un premier temps, on va récupérer nos récompenses du summit précédent. C'était le Pit Stop Pressure et c'était vraiment juste avant le début de la nouvelle saison de F1. Saison qui a commencé avec le Grand Prix de Bahreïn dimanche dernier. Et c'est avec une grande surprise que Max Verstappen a gagné la course. Ouais, bon, c'est pas grave. Ouais. Et laissez tomber, c'est pas de surprise. Ça se passe comme prévu, on va dire. Ouais, voilà. Pas surprenant que Verstappen soit premier. Bon, allez. Donc, j'ai eu l'or. Je m'y attendais un peu. Donc, j'ai eu le Proto Alpha Mark II, mais j'avais déjà cette voiture-là, en principe. Donc, ça devrait me faire des sous. Logiquement, hein. Voilà, remboursement de 100 000 bucks pour les objets que vous possédez déjà. Ouais, c'était prévisible. Alors, cette semaine, ça va être le Hoonigan Showreel. C'est le grand final de l'arc Hoonigan. Est-ce que ça veut dire qu'on aura bientôt une nouvelle playlist? Ça, ce serait une bonne nouvelle, hein. Je me ferai un plaisir de faire ça en live sur ma chaîne Twitch, si c'est le cas. Alors, voyons voir ce qui nous attend ici. Donc 5000 pièces en bronze, jusqu'à maintenant je ne les ai pas encore utilisées, hein, donc j'en ai énormément. Des pièces perf en street, ok. Un underglow tout pourri en or. Cul de foudre Motorflix, enfin foudre Motorflix, ouais, sans moi là. Et une Lancer Evo 6 Hoonigan Edition en platine, ok. Le cadeau le plus intéressant est en platine. Là, ça va être compliqué. Déjà que je chope pas le platine habituellement, je sens que là, ça va être encore plus compliqué. Bon, allez, voyons voir ce qui nous attend. Bon, comme d'habitude, je vais commencer par les défis. Donc, on a un slalom ici. Alors, voyons voir, je suis avec ma McLaren. Ok. Ah, oh, on a déjà fait ce... On a déjà fait ce slalom-là. Wow! Ok, bon, je pense que c'est pas extraordinaire. 82 000 points pour l'instant. Et ouais, il y a moyen d'améliorer ça. On repassera avec une spec racing. Mais bon, on va se contenter de ça pour le premier passage pour l'instant. Ok. Voyons voir ce qui nous attend d'autre. On a un autre slalom ici. Oh non, on a carrément raté une porte là. Bon, faut voir ce que ça vaut. 90 000 points, pas mal. Pas mal pour un premier passage. Comme d'hab, comme je le dis à chaque fois, on passera à améliorer ça avec une spec racing et ce sera cool. Et puis, dernier défi, on a une fuite. Ah là, j'ai la voiture parfaite pour une fuite par contre en principe. Enfin, si on reste sur l'asphalte, ouais. Alors par contre, je vais essayer de prendre de l'élan. Je sais pas si le meilleur plan c'est de le prendre dans ce sens là ou dans l'autre. Bon, on verra.
Putain, il y avait des voitures partout. Bon là c'est mort, je vais la refaire. C'est comme ça qu'on fait demi-tour les gars. C'est la bonne technique. J'ai juste évité le pire quoi. Je pense qu'on est pas mal là quand même. Sérieux? Bon, je m'attendais à beaucoup plus que ça, mais bon, ok. Ok, 64 000 points pour l'instant. On passera à Minuris, je tenterai dans l'autre sens. Mais bon, ok. Alors, voyons voir les premières épreuves. Showreel Honolulu City, avec une street tier de véhicules prêtés. Ah. Ah ben, avec la Lancer, justement. Ok. Bon ben, c'est parti, voyons voir ce qu'elle a dans le ventre. Sérieux? Je ne m'attendais pas à voir ce virage-là, là. On fait un pas comme ça, en tout cas. Ok. Alors, je vous explique la situation. Oula. Bon, ok, on va la refaire la course. Mais le volant bougeait bizarre sur le bureau et ça m'a un peu surpris. Donc, ça m'a vraiment, mais alors vraiment déconcentré. Bon, ok, on la refait. On la refait, on la refait. Thank you.
Ah bah ça va beaucoup mieux cette fois-ci. Voilà, ça c'est fait. points pour ce premier passage. On passera à 1000 rés pour voir si on peut avoir plus de 100 000. Je pense que ça doit être faisable, mais bon. Après, faut pas s'attendre à d'énormes améliorations. Alors... Showreel Feilong, Street Tier 2 avec une 900 GT de 93. Ok, véhicule que je possède déjà évidemment. Je pense pas pouvoir l'améliorer spécialement. Ouais, peut-être lui mettre des pièces rouges s'il y en a, mais non, bof. Bof, bof quoi. Ok, bon bah c'est parti. Merde. Tout le monde m'a doublé, tout le monde. Une seule petite erreur. Donc tout le boulot est à refaire en fait. Ah mais je freine toujours trop tard. Mais c'est pas vrai! Thank you.
bah j'ai eu du mal à prendre la tête hein, quand même. Bon, je pense que le score sera pas fameux, je suis sorti trop souvent. Faudra vraiment, mais alors vraiment pas s'améliorer ça. Hein. Ouais, 84 000 points. C'est pas fou. Vraiment, c'est pas fou du tout. À améliorer, mais fort. Ok, voyons voir, qu'est-ce qu'on a ? Showreel North Shore Coast. Ok. Avec une Mercedes AMG C63 Touring Car. Ok, voyons voir ce que ça donne. Ah, carrément. Ok. Ok, je lui ai mis un petit kit bleu. Je suis pas dans la surenchère pour l'instant, mais voilà. Insupportable, il y avait zéro espace pour passer. C63 AMG Touring Car. Merde. Oh, c'est pas possible. C'est moi, je galère à faire des petites courses qui devraient être normales.
Bon, c'était compliqué au début, puis après ça s'améliore. Même en regardant sur la minimap pour ce virage-là, je m'étais dit « Oh, ça va être chaud, ça !» Je me suis quand même tapé le mur. C'est triste, hein. Ah, oh, 101 000 points. Est-ce qu'on passera à améliorer? Peut-être. Ça se pourrait. Premier score au-dessus de 100 000 sur ce summit. C'est pas très rassurant, en soi. Bon, alors. Showreel. Stunning Volcano Showreel. Ok. On va voir c'est quoi. À faire avec une Lamborghini Reventon. Est-ce que je lui avais mis des pièces? Je crois que non. Ok. Voilà. Toutes les pièces sont installées. Allez, c'est parti. Voyons voir ce qui nous attend un peu. Ah, que d'hypercar. Ouf. Elle accélère fort, mais elle freine pas. Ben, c'est compliqué là. J'ai failli rater le point de contrôle à l'atterrissage là. En vrai, elle n'est pas plaisante à conduire. Ça freine pas. Oh, mais c'est pas possible de pas freiner à ce point. Oh, c'est pas vrai. Bon, allez, il me reste plus qu'à réessayer et espérer que cette Lamborghini va se retrouver avec des freins. Hein, parce que elle freine pas. Mon micro était parti en vacances, là. Désolé. Oh, comment il referme. Pas maniable, hein, cette caisse. Sérieusement, le jeu? Il m'a compté un checkpoint raté, là, alors que j'étais bien dedans. Hein, j'étais. C'est juste que j'étais au-dessus, la voiture volait, quoi.
J'ai l'impression d'arrêter la voiture à chaque virage. Bon, vraiment cette voiture, faut tout anticiper avec elle. Elle n'est pas maniable, vraiment. Donc il faut freiner à l'avance. Et c'est, ça peut parfois être compliqué. Et je me rends compte que mon caméscope n'était pas allumé. Ok, donc pas de webcam. D'accord. Pourquoi il n'était pas allumé, je ne sais pas. Ok, je me souviens l'avoir relancé pourtant. Mais bon, ok. Ok, désolé les gars. Ok, on va passer à celui-là. Donc, Showreel Wanglong. Affaire avec une Porsche en Street Tier 2. Bon, bah, ça va être avec ma 900 GT3 RS, je pense. Hein. J'ai déjà assez galéré comme ça. On va prendre ma voiture préférée. C'est bon, t'as assez glissé.
Je parie qu'on peut monter sur le mur comme un banking. Ah non. Ça aurait pu, hein, vu le style du jeu en plus. Voilà. points. Bon, faudra passer à améliorer ça. Mais c'est correct. Et puis, la dernière épreuve. Showing... Calm Countryside. Ah, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il fallait. Juste une perf en fait. Je sais pas trop quelle voiture je vais prendre là. Ah, c'est une allemande en fait. Ok. Ok, une allemande. D'accord. J'ai jamais essayé la 917K. Je suis curieux. On va l'améliorer quand même. Voilà, bon, on va voir ce que vaut cette Porsche 917K. C'est parti. Bel ajout d'ailleurs. 917K, c'est chaud. Hein. Dans la réalité, c'est pas la voiture la plus facile à piloter. Mais dans le jeu, ça devrait aller, non? Non? Se pilote bien, rien à dire, une Porsche plus pur jus quoi en fait.
crois que je vais l'adopter, hein, cette 917. Je l'adopte. Elle est sympa. Elle est vraiment sympa à conduire. C'est cool. Moi, je prends. Bon, il y a des choses à améliorer toujours, mais c'était vraiment cool en vrai. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Ok, bon bah c'était la dernière épreuve de ce summit. On va se laisser là-dessus. Je vais vous rappeler que j'ai une chaîne Twitch sur laquelle je stream régulièrement. Je vais laisser le lien en description de la vidéo. Je vais vous inviter à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains contenus. Et sur ce, moi je vais vous dire ciao.